C'est au cours des années 2000 que Paris Hilton est révélée au grand public. Avec Nicole Richie, sa meilleure amie de l'époque, l'héritière de la chaîne des Palaces Hilton participe en 2003 à l'émission The Simple Life, qui connaîtra un immense succès. Cette première expérience dans les fermes américaines des deux copines issues de la Jet Set a ravi les téléspectateurs, qui ont été des millions à suivre le programme. Nicole Richie et Paris Hilton/Bestimage, mais c'est surtout avec sa sextape avec Rick Salomon, son petit ami de l'époque, que Paris Hilton a connu une ascension fulgurante. Par la suite, elle fait ses premiers pas au cinéma et est apparue dans de nombreux films, qui n'ont pas franchement marqué les cinéphiles. Cependant, la jolie blonde a su profiter de sa notoriété et a marqué toute une génération, notamment par son look atypique et sa courte carrière de mannequin. Elle a réalisé plusieurs collaborations avec les marques Dior, Puma, Guess ou Longchamp et est désormais une femme d'affaires avisée. Paris Hilton, fière maman. Après avoir connu plusieurs échecs sentimentaux, Paris Hilton trouve le grand amour dans les bras de Carter Hume, déjà papa d'une petite fille. C'est en 2019 qu'ils ont commencé à se fréquenter, avant de se passer la bague au doigt le 11 novembre 2021. En janvier 2023, ils sont devenus les heureux parents d'un petit garçon, dont le prénom vient seulement d'être dévoilé. Dans son podcast et sur son compte Instagram, la grande sœur de Nicky Hilton s'est enfin décidée à révéler le prénom qu'elle avait choisi pour son fils, Phoenix. Celle qui vient de fêter ses 42 ans a rappelé que c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Elle avait déjà fait son choix il y a des années, en explorant des villes, des pays et des états sur une map monde, je cherchais quelque chose qui irait avec Paris et Londres. Lancée dans ses déclarations, Paris Hilton a ajouté que ce prénom avait de bonnes références avec la pop culture. Mais il est surtout en lien avec la créature mythique pour s'envoler à nouveau. Je veux que mon fils grandisse en sachant que les catastrophes et les triomphes se succèdent tout au long de notre vie. Et que cela doit nous donner un grand espoir pour l'avenir. Un second prénom loin d'être anodin, la jeune mariée a finalement dévoilé l'identité complète de son bébé. Voilà, le nom de mon petit garçon est Phoenix Baron Hilton Hume. Et de faire savoir qu'elle savourait chaque jour ce nouveau bonheur, Carter et moi sommes si fiers de l'accueillir dans le monde. Paris Hilton et Carter Hume/Jeff Kravitz/Getty Image. Paris Hilton a également expliqué qu'elle avait choisi Baron comme second prénom pour son fils en hommage à son défunt grand-père, qu'elle a toujours considéré comme un modèle. Il a toujours été mon mentor. J'ai tellement admiré mon grand-père, nous étions si proches et il me manque tous les jours. Alors je voulais vraiment l'honorer en donnant son nom à celui de mon premier fils, confie-t-elle. C'est grâce à une mère porteuse, et dans le plus grand secret, que l'ancienne grande copine de Kim Kardashian a pu devenir maman, personne ne savait, pas même ma mère ou ma sœur. J'avais l'impression que ma vie était déjà tellement publique que je voulais faire ça seul avec Carter. On a scellé un pacte, lui et moi. A indiqué la jeune maman, qui en a profité pour annoncer la prochaine publication de ses mémoires.